Première phase, l'observation. Les gestes sont incontrôlables, ils trahissent la pensée. Observez cette femme. Elle semble chercher quelqu'un du regard, ses doigts tambourinent sur la table. Ce sont des signes d'impatience, elle attend quelqu'un qui est en retard. Le voilà. Ah ouais, et là il est en train de s'excuser, c'est ça? Oui, mais le regard qui fuit, les mains en prière sous le menton, cet homme ment sur les raisons de son retard. Ah, c'est intéressant, il s'est installé dans sa sphère intime. J'ai rien compris. Il existe une distance virtuelle autour de chacun de nous. Ne pénètrent notre espace personnel que ceux qui nous sont intimes. C'est pas évident votre truc. Hein. Bon, ok. La distance entre nous est sociale. Là. Je me rapproche de vous. Je pénètre dans votre sphère intime, le rapport change. C'est gênant. Vous avez compris. Ces deux-là sont donc intimes. On peut supposer qu'il s'agit d'une mère et de son fils.